Ce jour-là, au pied du massif vosgien, se prépare un festin des plus savoureux. Pour les plus fines bouches, rien n'est aussi appétissant qu'une ration bien préparée. Johan, grand chef de son restaurant 4 étoiles, a fait le choix du robot de cuisine, la version compacte, mais qui ne s'arrête pas devant l'appétit de ces dames. Et l'élément indispensable en cuisine, son couteau de précision, le Teagle Tomahawk 505 XLM, défibre et calibre précisément le fourrage. Donc nous sommes à Bruyères dans les Vosges. Je fais partie du GEC de Trianche avec 6 associés, avec une entreprise de travaux agricoles en contrepartie et travaux publics. Donc nous avons une exploitation de 330 hectares avec 130 vaches laitières, avec une moyenne d'étable de 10 000 litres par vache. Donc on a choisi d'investir dans le Teagle parce que nous avons investi dans une alimentation automatique. Pour nous libérer du temps, surtout, et pour le confort des animaux, avec une ration fraîche en permanence. Mais pour ça, il fallait qu'on trouve un système d'avoir la fibre de bonne taille disponible pour la machine. Donc nous avions trois solutions, c'était soit acheter une presse à quinguer à des couteaux, soit les passer les bottes dans une ensileuse, ou acheter le Teagle. Ce qui nous a fait choisir le Teagle, c'est que on peut l'avoir en permanence accroché au tracteur et on peut le faire quand on veut. Une ensileuse un peu plus coûteuse en main d'œuvre et en carburant. Donc le choix de l'alimentation automatique, c'était surtout pour la régularité d'apport pour les vaches, d'avoir une ration fraîche en permanence. Le robot qui alimente mélange mais ne coupe pas la fibre. Donc il fallait qu'on trouve une solution pour résoudre ce problème, pour éviter l'effet de tri à l'auge et d'un coût alimentaire pour les vaches. Donc c'était la solution qu'on a trouvée, c'était de faire des fibres régulières et de bonne taille. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le Teagle. Nos vaches laitières sont alimentées en 2/3 maïs et 1/3 herbe, avec 1 kg, 1,5 kg de foin par bête par jour. Et nos vaches taries consomment 5 à 6 kg de foin par jour avec une dizaine de kilos de maïs. Donc on est grosso modo en consommation semaine entre 5 et 6 tonnes. Donc la machine sort une fois par semaine, on fait 5-6 tonnes pour en mettre pour le robot d'alimentation. La comparaison entre le Teagle 505 XLM en élevage et le couteau d'un grand chef n'est donc pas fortuite. Un bon plat passe non seulement par la qualité des aliments au départ, mais aussi par leur préparation. Une préparation qui devra être homogène, donc calibrée dans le cas présent, comme en cuisine. Donc bonjour, Luc Jeannereau de la société Teagle sur le Nord-Est. Aujourd'hui, on va vous présenter la pailleuse défibreuse Teagle 505 XLM. Donc la marque Teagle est spécialisée dans la distribution et la préparation de fourrage. On fait toute une gamme de pailleuses conventionnelles jusqu'à des gros volumes. On a toute une gamme aussi de pailleuses calibreuses, donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et aussi une version plus grosse pour des débits plus importants, notamment pour les stations de méthanisation, le C12 qui est un broyeur type industriel. Concernant le principe de fonctionnement de la machine, c'est une machine qui est relativement simple, en attelage 3 points, qui peut être équipée d'un essieu pour être en semi-portée dans le cas où j'ai des tracteurs de petite puissance et de faible gabarit. Donc je vais avoir ma prise de force en 1000 tours qui elle va entraîner un rotor équipé donc de 40 couteaux qui sont escamotables dans le cas où j'ai des cailloux pour pas que ça pose problème. Et en périphérie de ces 40 couteaux, j'ai une grille. Donc la grille, on la retrouve ici, c'est un exemple, c'est une grille de 15 mm. On a une dizaine de grilles disponibles qui nous permettent vraiment d'adapter à chaque application la taille du brin qu'on aura au final. À savoir, l'intégralité de la botte va passer au travers de ces trous qui là font 1,5 cm. Nos brins feront 1,5 cm. En ration mélangée, on va utiliser des trous beaucoup plus gros qui vont faire soit 5 cm, soit 3,5 cm, pour assurer le calibrage. C'est-à-dire que tous les brins sortent à la même taille, on le verra tout à l'heure sur le tas. On va avoir deux goulottes de base, ce qui nous permet de venir pailler des logettes
Les deux en même temps avec le même flux de paille. Ça, c'est important. Ensuite, cette machine est équipée d'une goulotte haute qui permet de faire du stockage et on va pouvoir projeter jusqu'à 8 mètres. Ensuite, on a notre tambour qui, lui, va être entraîné en rotation par deux courroies directement sur le distributeur hydraulique du tracteur. Donc, on va le réguler en cabine pour pas qu'il y ait trop, justement, de produits qui arrivent en fonction de la puissance que j'ai. Là, la machine va être utilisable dans deux applications, notamment le paillage. Paillage des logettes. Qu'on soit sur de la logette, en matelas, en tapis ou en logette creuse, on va toujours avoir besoin d'une paille absorbante ou d'un produit absorbant. Le but de la Tiggle, c'est vraiment de rendre absorbant tout type de paille. C'est ça qui est vraiment important. On va avoir de la paille très très fine. On a des grilles qui font 8 mm pour les logettes sur Kaiboti pour vraiment sortir une paille qui ressemble à de la sciure de paille, ce qui nous permet d'avoir vraiment une capacité d'absorption très intéressante. Et enfin, cette machine permet aussi de calibrer tout type de produits secs, notamment pour la ration mélangée, et ce que fait Monsieur Taka aujourd'hui. Donc on va avoir une machine qui va pouvoir préparer vos produits secs, donc paille, F1, en amont d'en avoir besoin pour la mélangeuse. La mélangeuse, tout comme les systèmes automatisés, sont des machines qui sont très bien pour mélanger, qui nous donnent une ration mélangée vraiment régulière, mais pour la découpe et le calibrage, ce n'est pas ce qui va être le plus adapté. Aujourd'hui, on va proposer cette machine pour vraiment affiner le produit, pas dans l'excès non plus, on va se limiter à 5 cm en fonction de ce que les nutritionnistes conseillent, 5 à 8 cm. Et surtout, on va avoir un produit qui sera prêt au quotidien pour l'intégrer directement dans la mélangeuse. Donc un gain de temps au quotidien plus un gain de temps en efficacité parce que grâce à ce système, vous n'avez plus aucun tri au niveau de l'auge. C'est ça qui est très important. Alors là, on est dans la cuisine d'un robot d'alimentation. Donc on a différents blocs de maïs, différents blocs d'herbe, les concentrés et on retrouve le foin préparé par la machine. On va avoir notre foin qui est préparé. Donc l'utilisateur, il le charge une fois toutes les deux semaines. Il stocke 15 tonnes entre là et l'extrémité de la cuisine, ce qui permet de tenir deux semaines. Au niveau du calibre, ce qui est vraiment important, c'est qu'on ait des brins au plus long à 5 cm. Si on est au-delà, on sait qu'il va y avoir du tri. Et ce qu'il faut aussi, et ce qui est très important, et ce qu'on arrive à faire avec le rotor calibreur, c'est que le brin est coupé comme avec un ciseau, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de très piquant et de faire de la rumination, l'excitation du rumen et ainsi de suite dans tout ce qui est digestion de la vache. Donc on voit, il n'y a pas un seul brin qui est plus long que les autres. Quelle que soit la nature du foin en amont, qu'on soit sur un petit foin de deuxième coupe ou un premier foin grossier fait tard, il sortira au même calibre. C'est ça qui est très important. En luzerne, on va avoir aussi ce phénomène où on aura les branches les plus grosses qui seront à 5 cm en fonction de la grille qu'on utilisera pour avoir l'intégralité de notre luzerne ingérée et valorisée surtout. Là, on est sur un utilisateur qui travaille avec du foin dans sa ration mélangée. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup d'exploitation qui consomme de la paille pour ramener de la matière sèche et surtout du piquant dans une ration. Aujourd'hui, on pourrait faire exactement la même chose avec de la paille. Des brins de 5 cm réguliers, coupants et surtout piquants. C'est ça qu'on va vraiment rechercher avec le produit.